23, nous sommes vendredi 27 janvier et je commence mon vendredi, il est 10h30, je sors de la douche, je suis habillée, donc on y va, c'est parti. En ce vendredi, un peu plus de 10h30, déjà 27 février, janvier, je n'y crois pas mes yeux. Oh, bonjour les filles. Allez, pour pas faire de jaloux, je vais vous montrer les mésanges. Hop, en contre-jour. Alors là, vous avez une mésange. C'est quoi comme petite mésange? Mésange charbonnière avec la tête noire. Voilà, et la petite mésange bleue, c'est celle-ci. Voilà, voilà, c'est très électrique comme petit oiseau. Hein. C'est très vif, très vif, très vif. C'est mimi, hein, c'est petit. Alors, la mésange charbonnière est aussi gros qu'un rouge-gorge. Et la mésange bleue, c'est la moitié d'une mésange charbonnière. C'est tout petit. Je m'apprêtais justement à nourrir mes petites mésanges. Je vais vous montrer ce que je leur donne. Ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps ne le savent pas. En fait, je leur donne, alors ça coûte assez cher, des verres de farine séchés, comme ceci, pauvres verres de farine. Voilà, de la marque Naturiga. Je les ai eu en promo, hein, Leclerc Animaux, parce que sinon c'est 22€ le kilo, et j'avais réussi à les avoir à 16,50€ le kilo. Voilà. Et donc j'avais fait le plein de 10 sachets, et après j'ai attrapé la grippe, et j'ai pas pu aller en rechercher 5 autres. Voilà, je leur donne ça, ils adorent ça, et je leur donne également, ça c'est à Leclerc, c'est 5,10€, les 3 kilos, ce sont des graines de tournesol, voilà, de la marque Pictou. Des graines de tournesol noires, ils adorent ça également. La marque Pictou, et ça c'est à Leclerc. Leclerc tout simple, hein, Leclerc, rayon animaux toujours, la marque Pictou, et c'est 5,10€ les 3 kilos. Voilà, allez, on va nourrir les fifilles. Donc je leur mets ça, je leur mets de l'eau, d'ailleurs je leur en remette. Je leur ai mis ça dans une petite gamelle et je leur ai mis aussi ça. Alors les petites bouboules, enfin les petits sachets comme ça, c'est à Action. C'est dans les 2,89€, je crois, un truc comme ça. Le filet. Ça c'est de l'année dernière, hein, ils en mangent quand même. Voilà mes chatons, vous savez tout. Non, vous n'en aurez pas. Voilà, les fifilles, c'est fait. C'est ma priorité du matin. Après la douche, hop, alors j'ai mis mon minoxidil, ça me fait des pellicules. Bah oui, c'est à l'alcool, ça assèche le cuir chevelu. Mais bon, je me demande si c'est utile. Enfin, je sais que les 4 premiers mois qu'on met le minoxidil, on perd double de cheveux qu'il ne faut perdre durant l'alopécie androgénétique. Et là, il neige des cheveux. Hein. Alors, vous me voyez gaie, tout ça derrière la caméra, mais je pleure beaucoup. Hein. Et là, un brossage léger, hein, parce qu'on n'ose même plus se brosser les cheveux, 54 cheveux. Ça devient dramatique. Dramatique. Alors vous allez dire que ça se voit pas, mais si, quand je soulève tout ça, là, ça se voit énormément, le dessus, là, les franges, la frange. Voilà. Alors, je me suis occupée de mes mésanges. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je dois aller chez mon ancien médecin récupérer une clé USB où il y a mes dossiers médicaux à moi et mon kidou. Nos dossiers médicaux à moi et mon kidou. Oh, je vous ai pas dit, il n'a pas eu la fève, pour ceux qui suivent régulièrement mes vlogs. Il n'a pas eu la fève. Pourtant, il a mangé plusieurs parts de galettes. Mmh, le cochon. Son collègue aussi, il y avait des petits fours, il y avait du champagne, il y avait de la charcuterie, il y avait des galettes. Il est rentré, il est allé s'effondrer dans le lit. Il est rentré à quelle heure? 21h? Un truc comme ça, ouais, 21h. 21h30, maxi. Et il est allé se coucher tout de suite. Le ventre rebondant, rebondissant.
Voilà, il n'a pas eu la fève. Mais il m'a dit que c'était excellent. Et puis en fait, il ne savait pas, mais on, les épouses, les enfants pouvaient venir. Ah, il n'a pas dit. Il a honte de moi. Non, c'est pas vrai. Il ne savait pas. Oh, je l'aurais laissé tranquille. Pour une fois qu'il peut sortir avec ses collègues et rigoler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je dois aller chez mon ancien médecin récupérer une clé USB. J'espère qu'elle ne va pas me faire trop glander dans la salle d'attente. Ensuite, je dois aller, je ne sais plus, ah oui, donc à Grand Frais, comme d'habitude, à Lidl de Sainte-Savine, comme d'habitude. Je dois aller également à Decathlon, absolument, parce que mon kidou veut des bretelles, mais avec deux attaches devant, deux attaches derrière. Son collègue, parce que la ceinture, ça lui rentre dans le ventre, il est tout le temps accroupi par terre et tout, et la ceinture, ça ne va pas. Du coup, il veut des bretelles rayon chasse, il m'a dit. Son collègue les a rayon chasse et qu'elles sont très bien. Donc, je vais y en prendre deux paires. Et puis, j'espère que je vais les trouver. Et puis, il veut... je vais... Grand Frais... Et ben au drive. Voilà. Et j'ai rendez-vous vers 18h chez ma sœurette pour l'apéritif. Vous savez tout, mes chatons. Voilà, voilà. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux parce que sous mon vlog 2, il y a des messages de tombée depuis hier soir et ce matin. Sinon, j'étais à jour. Si, si, je suis une bonne élève. Je me maquillerai un petit coup. Je ferai ça peut-être après mon petit déjeuner. Oui. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Bah, je vous ai dit. Ah, je vous ai pas... bah non, vous savez pas ce que j'avais clôturé mon vlog 2. Hier soir, j'ai mangé... En fait, j'ai pas mangé de la soupe. J'ai mangé... Oh, c'est blabla, hein, aujourd'hui. J'ai mangé, je me suis fait griller 4 grosses tranches de pain de mie complet Lidl, vous savez. Et je me suis fait fondre la moitié d'un chèvre. Pas bien, pas bien. Les grosses joues. La moitié d'un chèvre dans une gamelle. Et je me suis tartiné ça sur mes toasts. J'avais mal au cœur. Et après, j'ai mangé un yaourt et j'ai fini mes amandes dedans. Voilà, un yaourt au bifidus à la vanille Lidl, la marque Envia. Et j'ai mis des amandes dedans, voilà. Mais alors, le demi-chèvre tartiné, là, sur les toasts, ouf, j'en pouvais plus. Voilà, voilà, un peu de gras, j'en ai pas assez. Allez, je vais sur les réseaux sociaux, c'est parti. Ah, puis j'ai toujours le même rouge à lèvres, hein, au fait. Hein. La marque P2, en guise de baume à lèvres. Si vous voulez utiliser vos rouges à lèvres, moi, j'ai plus le... Comme je ne peux plus travailler depuis 2018... Voilà, je fais ça. Et j'ai mis ça en petite boucle d'oreille. Hop, du AliExpress. Voilà, vous savez tout, mes chatons. Allez, à tout à l'heure. Je m'apprêtais à manger. Il est midi et quart. Je viens de me pomponner. Je me suis dit, fais-le avant de manger, ce sera fait. Alors, ce n'est qu'un make-up. Il y a un peu de tâche, là. C'est une palette Kiko, je vais vous montrer. Voilà, c'est un maquillage que de mat. J'ai dit, tiens, je vais faire un make-up mat. Alors, par contre, je suis rouge là et je pleure. Je m'étais mis de la crème dans l'œil. Ça fait un peu tâche, voilà. Petit highlighter. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit coup ma tenue. Donc, j'ai ressorti, je ne sais pas si je vais avoir trop chaud. J'ai ressorti un pull Shein que j'avais eu à 10 euros. Voilà, comme ceci. Il est très bien, il est en col V. Donc ça, c'est très bien. Et j'ai toujours mon jean Leclerc à 12 euros. Voilà. Alors, en bijoux, boucle d'oreille AliExpress. Voilà, on aime. Petit collier Jules. Oh là, il est vieux celui-là. Oh, je l'avais payé 3-4 euros. J'ai mis... une montre, j'ai remis une pile dedans, voilà, comme ceci. Et en bague, j'ai mis deux petites bagues que j'avais eu à 1 euro chez Seiya il y a des années. Et en bracelet, un bracelet Nose à 1,49 euro, celui qui brille. Voilà, voilà mes chatons. Je vais vite vous montrer ce que j'ai mis. Donc en parfum, la savonnerie du roi, 1,99 euros chez Nose. Voilà, ambre noir. J'essaie de le finir pour cet hiver. En rouge à lèvres, un rouge à lèvres qui m'avait été donné par une abonnée. Je ne sais pas s'il y a une marque. Divage Praline. Praline rose. Hein. Hop, voilà.
Il est crémeux, mais un peu mat en même temps. J'aime beaucoup. Ensuite, voilà, j'ai mis mon mascara, le volume million de cils de L'Oréal. Et j'ai mis à 99 centimes mon P2, ma base à mascara. En palette, j'ai utilisé que la palette Kiko, que j'avais eu à 4,99 chez Nos, je ne sais plus. Oh là, j'ai mon noir qui se fait la malle, les gars. Attendez. Parce que là, j'en ai mis sur du linge propre, alors je te dis pas. Se fait la malle. Voilà. À mon avis, ça va finir en miettes, tout ça. Voilà mes chatons. Donc, pour le dessous du sourcil, j'ai mélangé le blanc et le rose. Pour le creux de banane, j'ai mélangé celui-ci et celui-ci. Et pour la paupière mobile, celui-ci. Voilà, j'ai mon rouge qui s'est éclaté par terre et mon noir qui s'éclate également. Voilà, heureusement, je ne l'avais pas payé plein pot. Je crois que c'était 20 euros chez Kiko. Moi, j'avais eu chez Nose à 4,99 €, quelque chose comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre mon primer, bah, tant pis. Pour fixer le tout, bah, toujours ma biphasée de chez Action, 1,99 €. Mes sourcils, toujours Max & More Eyebrow Kit à 99 centimes de chez Action. Pour fixer le tout, toujours, j'essaie de finir les concealers comme ça, MUA à 99 centimes de chez Nose. Ma poudre libre Models Own 2,49 chez Nose. Hop, je vais vite. Hein. En blush, j'ai mis le blush Action 1,29 €, quelque chose comme ça. Max & More, le 162 Pink Corage, où les conseils sont encore dans les rayons. Et en highlighter, j'ai mis celui-ci de chez Shimmer. Voilà, highlighter de chez TI, le 02. Il est superbe, AliExpress, 1,89 €. Franchement, ça vaut pas le coup d'acheter du Dior ou quoi. Il est magnifique, regardez ça. Et encore, je pense que vous ne le voyez pas bien. Voilà, superbe. Superbe, je vous les conseille à 10 000%. Voilà, et là, j'ai rien utilisé. Et je vous remonte un petit coup mon make-up. Bon, la palette Kiko, oui... sans plus, heureusement je ne l'ai pas payé plein pot. J'aime bien le bleu marine par contre quand même. Voilà, l'highlighter, vous avez vu, il est joli, hein, il est joli. Les petits rouges à lèvres, voilà mes chatons. Alors attendez, annuler le suivi, voilà, annulation du suivi, toc, voilà. J'aime beaucoup. Je vais remettre un petit coup de... Pourquoi elle me fait du suivi comme ça? Bref. Du shampoing sec sur les cheveux. En ce moment, je mets le dry shampoo, shampoing sec Body Dep, à 200 ml de chez Action, 1,49 €. Pas trop mal. Blanchir un peu les cheveux, il faut bien, bien secouer la tête. Alors pas trop moi parce que... Tiens, d'ailleurs je vais le sortir. Parce que sinon je perds tous mes tifs. Voilà, est-ce que vous voyez mieux le make-up? Vous voyez, c'est du mat. Hein, ouais, ça change un peu. L'highlighter léger. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, on va manger mes chatons. Et après, je m'occuperai de mes cheveux. Juste un petit coup de brossage. Léger, hein, parce que sinon, je suis chauve. Allez, vous voyez, quand je mets mes lunettes, le make-up est assez assez fondu quand même que quand ça fait ça. On le voit moins. Hein. Alors, et, comme d'habitude, hein, 3 tranches. Alors ça, c'est pain grillé d'hier soir, j'ai pas fini. C'est vrai que mon chef fondu, 3 tranches de pain complet Lidl, que je vais racheter de suite aujourd'hui, du muesli dans mon yaourt, alors je ne le rachèterai pas, du tout, du tout, j'aime pas du tout, tu cherches les noisettes, les amandes, alors les noix de pécan, c'est encore pire, bref, que je vais mettre dans mon yaourt bifidus, voilà, par contre ils sont très bons et mon kidou ne mange plus les yaourts nature, la marque Drive Leclerc, hein.
la marque Repère, et ils mangent ceux-là maintenant. Il y en a, ça existe, alors moi je prends vanille, mais ça existe aussi en nature. Et là, pour changer un peu, j'ai sorti ma petite confiture de pêche, la marque Repère, voilà, et ma pâte à tartiner, mais je ne vais pas en mettre beaucoup pour le dieu des intestins. Allez, bon appétit mes chatons, à tout à l'heure. Allez, j'y vais, 14h, il est temps que je parte, vous allez voir, pour avoir moins froid au niveau du dos, je mets mon pull dans mon pantalon. Voilà. Comme ça. Bon. Voilà ce que ça fait. Bon. Ça grossit encore plus le bide, mais ça fait ça, ça. Voilà. Et j'ai mis mes petites baskets de Leclerc à 10€ au lieu de 20. Voilà mes chatons. Allez, je vous emmène avec moi. Là, on va commencer. Je sais pas trop. Je vais aller chercher la clé USB chez le médecin. Ouais, comme ça, ce sera bon. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Je mets ma doudoune. Qu'est-ce que je vais mettre en doudoune? Je vais pas mettre la plus épaisse. Hop. Je vais mettre la plus fine. Hop, voilà. La petite grise. C'est suffisant. Elle est bien chaude. C'est ma sœurette qui me l'avait offert. Je crois qu'elle l'avait eu à Lidl. Allez, on y va, on y go. 14h, c'est parti. Ah, me voilà arrivée. J'ai mis quoi, 10 minutes chez mon ancien médecin. C'est par là, en fait. Tout au bout du parking, je mets mon masque et je demande à la secrétaire, j'espère qu'elle va la trouver, la clé USB avec les dossiers médicaux de mon kidou et de moi. J'ai trouvé une place handicapée, comme ça, ça me rapproche un petit peu. Allez, c'est parti, on y va. Et ça bruissille en plus. Manquait plus que ça. Me voilà arrivé à Grand Frais de Saint-André, les enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut? Je vais regarder le prix des patates. Je vais regarder le prix des endives. Si c'est trop cher, j'en prendrai pas. Les bananes, si c'est au-dessus d'1,79€, j'en prendrai à Lidl de Sainte-Savine. S'il y en a. Sinon, je vais prendre les pommes, les pirouettes cacahuètes, et je vais prendre les oranges, parce que mon kidou aime bien. Et puis, c'est tout ce que je prends, normalement, a priori. Oranges, pommes, ouais. Ouais, c'est tout ce que je vais prendre à Grand Frais. Et puis, je vais faire un tour s'il y a des promotions. Allez, on y va. C'est parti. Ah, me voilà enfin sortie. Non, mais franchement, une seule caisse, en plein après-midi, à 14h30 passé. Une demi-heure à porter mes 5 kilos de patates. J'en peux plus, j'ai mal aux mains, j'ai mal au cou, j'ai mal au bras. Oh là là, j'ai pris des oranges, des pommes et 5 kilos de pommes de terre, ça fait 80 centimes le kilo. Ça vaut vachement le coup parce qu'elles sont pas lavées. Moi, je m'en fous, je vais les laver, moi je les épluche, donc voilà. Mais alors, une caisse, je vous dis pas. J'ai mis 5 minutes pour faire mes courses, une demi-heure pour passer en caisse. Alors ça me saoule, mais ça me saoule. En plein après-midi, une caisse. Grand Frais, à Saint-André. Un endroit où il y a beaucoup de monde. Non mais franchement. Allez, on va au Lidl de Sainte-Savine, mes chatons, c'est parti. Du coup, j'ai chaud, mais j'ai chaud. C'est une catastrophe. Eh là 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 là. Hein, vous voulez pas partir, hein? Vous voulez ronchonner avec moi? J'en ai eu pour 11€. À peine. 10,50€ et des poussières. Voilà. Mais je vous dis, là, ça valait le coup, hein, le kilo de patates. Vous verrez ça en détail au retour de course. Ben, mes chatons, il y a du camion sur la rocade. Hein. Waouh, il a fallu que je fonce. En respectant les vitesses, mais bon. Alors, je viens d'arriver au Lidl de Sainte-Savine. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. C'est cool. Je vais prendre un caddie parce que je ne vais pas faire comme pour les patates. Ouh, la vache. J'ai encore très mal. Allez, mes sœurettes me manquent. Je vais la voir tout à l'heure, m'en fous. Rendez-vous vers 18h30. Vers 18h, pardon. Voilà. Allez, c'est parti. On va à Lidl de Sainte-Savine. Il me faut pas mal de choses. Du pain de mie, des légumes de potage, des bananes, des yaourts, du pain. Bref, la totale. C'est parti. Allez, je vais regarder s'il y a des promos XXL aussi. J'en ai pour une 20aine d'euros, mes chatons, chez Lidl. 18,80€, quelque chose comme ça. J'ai pas pu prendre mes bifidus Envia à la vanille. Il n'y en avait plus parce qu'il y avait eu une promotion
ce week-end. Donc j'ai pris nature, comme maman elle prend. J'en ai pris de l'eau, 24 yaourts. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait encore un peu de promotion XXL. Il y avait encore quelques steaks hachés, mais bon, j'avais encore plein dans le congèle. Il y avait des escalopes de dinde, panées et pas panées. Il y avait le saumon, vous savez, le gros saumon que j'avais acheté pour Noël. Et il y avait des tomates farcies XXL. Et puis c'est tout. Non ! Des grosses bavettes, de la grosse viande rouge en format XXL, mais ça la faisait encore assez cher au kilo. Voilà mes chatons. Donc j'ai rien pris en XXL, mais les bacs étaient vides, hein. Il restait que 2-3 paquets de chaque. Allez là, mon kidou m'a appelé un petit coup à Lidl pour me dire qu'il ne rentrait pas tout de suite, qu'il allait chez son pote Michel, qui allait livrer une machine à laver chez une grand-mère ou je sais pas quoi, mais il était tout seul, il avait besoin d'aide pour porter. Du coup, il va pas rentrer tout de suite. J'espère qu'il sera là pour remonter les courses, sinon je les remonterai toute seule. Et sinon, ben là, on va à Décathlon. Il commence à y avoir du monde. En plus, il y avait 2 caisses. Non mais, franchement, il y a du chômage. Embauché, bon Dieu. Conjoncture n'est pas facile. Mes chatons, me voilà à Décathlon de Pont-Sainte-Marie. Je vais aller voir les bretelles et les promotions. Voilà, il y a plein de monde, mais alors le parking est gigantesque. Il fait des hectares et des hectares. Et il y a au moins 30 places d'handicapés. Et je suis toute seule. Alors, oui, j'y vais pour les bretelles, puis on va aller voir les promotions. Voilà, faut que j'aille au rayon chasse pour les bretelles. Et après, eh ben, on retraverse encore la ville par la rocade et on va au drive. Hein? Allez, c'est bon. On y va. Bah, c'est tellement grand que on se marche pas dessus hein, dans le Décathlon. Hein. C'est parti. Il n'y a pas grand chose, mes chatons. Pas beaucoup de promos. C'est encore très très cher. 80 euros, 50 euros. Ouh, 120 euros les blousons d'occasion. Enfin, soldés. Sinon, j'ai trouvé des bretelles à 12 euros. Rayon chasse, mais il n'y a qu'une sorte. Parce que mon kidou voulait 2 pinces à chaque clip. Mais c'est une pince devant, une pince derrière, une pince de. 2 pinces derrière et 2 pinces devant, je veux dire. Vous voyez, au lieu de 4 et 4, c'est 2 et 2. Ouais, je vous montrerai ça. Enfin, pour l'instant, ça a l'air de bien clipper. Elles sont bien épaisses, elles sont kaki. Bref, on verra. 6 heures faux. Oh, j'ai mal partout. On a là mon omoplate et à mon épaule. Allez, quelle heure est-il, Madame Tartine? Il est 16h moins le quart, monsieur le placard. Si je vais au drive, mon kidou va pas être rentré. Je vais voir où je vais aller traînailler. J'irai bien un petit coup à Jiffy. Est-ce qu'il me faudrait un petit meuble... Oh, je sais pas. Non, je vais voir. Où je vais au drive. Je sais pas trop. Si je vais au drive, après, j'ai du surgelé. J'ai des oignons surgelés. Qu'est-ce qu'on fait, mes chatons? Il est même pas 4 heures. Moi, sinon, je remonte les courses, hein, tant pis. Hein. Sauf les packs d'eau. On fait comme ça. Allez, je vais au drive. Comme ça, j'aurai le temps de filmer. Et on a rendez-vous au plus tard 18h, 18h moins le quart chez ma sœurette. Comme ça, je serai prête. C'est parti. On va au drive. Alors, on traverse la ville, on prend la rocade. Je suis de retour de course. Ouh, il est exactement 16h15, cool. Comme ça, j'aurai le temps d'aller chez ma sœurette. Ouh, j'ai pas remonté les packs d'eau. J'ai un mal de dos et un mal à mon épaule qu'à la tendinite. Allez, j'ai tout ça arrangé. Regardez, il y a du PQ. Hein. Mais je vais vous expliquer tout ça dans le retour de course. Donc, suivez-moi. Les retours de course, c'est dimanche maintenant. Allez, je range tout ça. Je me fonds sur le canapé. Je viens de boire un coup, là, ça fait trop du bien. Et voilà. Tout est rangé. Voilà, on attend pour aller chez ma sœurette. Dans une petite heure. Oh, j'ai un mal de dos, je vais m'allonger un petit peu. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous emmènerai un petit coup si Papou n'est pas arrivé. Je vous filmerai un petit coup ma sœurette et un petit coup, elle sera en bonne franquette. Hein. Et un petit coup, Lisa et Bella. S'il n'y a pas mon Papou. À tout à l'heure. Je me repose le dos. Ah, je travaille pas sur l'ordi. Hein? J'ai remis un peu de rouge à lèvres. Pour mettre du rouge à lèvres sur Lisa. J'en mets toujours dans le petit endroit où elle est blanche. J'ai des poils pleins collés sur le rouge à lèvres. Allez, à plus tard. J'oubliais, les bretelles Décathlon plaisent à mon kidou.
Donc, s'il le faut, j'irai en chercher une paire ultérieurement quand je serai dans le coin. Voilà mes chatons. Allez, à tout à l'heure. Quelle heure est-il? 5h moins le quart, madame Plaquin? J'ai envie de grignoter. Chez qui qu'on est? On te réclame! Regardez ici, c'est qui là? En plus, elle a ses nouvelles petites lunettes, elles sont trop belles. Viens, viens, tonton là. Coucou, Linette. Ma Linette, regardez, elle a ses nouvelles lunettes. Youyou. Ben, regardez-nous. Youhou. Attention. Karaoké, c'est ça. C'est un micro que ma soeurette elle a eu à 10 euros chez Action. Lily. Bienvenue. J'ai mis camping. C'est mis tongue. Elle est morte de rire, la cour. Coucou ma louloute. Coucou ma Lily. Elle est où ta soeur? Ah, après, je peux mettre des voix. Pourquoi j'ai acheté ça là? C'est génial. Elle est morte de rire. Elle est plus folle que moi, je vous dis. Bien sûr, je me dis. Allô? Attends, puis en même temps, elle va être celui-là. Comme ça. Je vais aller m'en chercher un chez Action à 10 euros. Vous l'entendez? Allez, péter de rire. Bonsoir. Il y en a un Bluetooth et il y en a un avec fil. Oui, c'est toi, tonton. Bon. Voilà. Bonsoir. Attends, tu vas être dans les grosses voix. Va en bas. Allô? Elle est votre café. J'adore. C'est ton bon chef. Elle est votre café. J'adore. Ah non. Vous allumez, on voit rien. Et celle-là, je suis la voilée. Je suis ton père. Je suis ton père. Non mais c'est génial, hein. Si vous voulez vous faire un cadeau. Il n'y a pas ma petite belle. Oh, la peur, ma Lisa. On est dans la Lisa, elle est... Mais mortifiée. Oh, pardon. Bella, on la voit plus. Oh, elle fait peur à Bella. Elle est pas gentille. Oh non. Je pourrais essayer. Alors attends, comment ça marche? C'est rigolo. Donc là, ça c'est la caverne. Bien. Ah! Mes chatons! Eh oui, bienvenue, c'est la foire. Tournez-côtis. Vous en voulez encore? Attends. Caramela! Ah non, mais 10 euros, je vais aller en chercher un! Et c'est parti! Et on lui plaidera le fond! À la Paris du Mimousin, on le pendra avec ses tripes! Attends, ça, non, c'est ça sert Bluetooth quand je mets des chansons sur internet, mais j'ai pas encore essayé ça. On le pendra
avec ses tripes. Oh, l'apéro va être bien. Oh, Babou, on t'attend. Je m'en suis... J'ai pas pu résister. Oh, ma pupuse d'amour, ma petite Bella d'amour. Maman Mouna. C'est quoi le gros monstre que maman l'a acheté? Oh, ma petite Bella. Oh, pardon, mais... Chacha. Excuse-moi, elle fait Chacha. Peur à sa fille. Oh, ma poupée, elle est partie. Bon, allez. Bon apéro. On attend mon papou. Attends. Ah, mon attends, bébé. Mamie. Mamie, j'ai oublié de vous peigner les gueuses. Hein. Viens voir, tata. Gros chacha, ça. Viens voir, tata, ma petite Bella. Oh oui, ma poupée d'amour. Oh, oui, faisait peur avec le micro. Oui, quand je l'ai mis la dernière fois. Petite nénette. Ah, nous sommes de retour à la maison. Ça fait quoi? 20 minutes qu'on est rentrés. Il est 20h10. Voilà, c'était génial chez ma sœurette. Et j'ai fait un gros câlin à Bella et à Lisa. Et à mon papounet. Voilà. Allez! Je me suis démaquillée, mon papou m'a dit que j'étais jolie. Bah oui, il n'a plus l'habitude de me voir maquillée. Le dimanche, je ne suis pas maquillée. Ce soir, une bonne souplette avec du pain que je vais mettre dedans et du beurre et un yaourt au bifidus. Et je vais mettre aussi quelques petits crunchies, j'ai envie de sucre. Même si à 4 heures, je me suis goinfrée de petits chocolats à la menthe. Je vais vous montrer ça. Et mon kidou, pareil, il n'a pas très faim parce qu'il a pris un antidouleur. La petite soupe, le yaourt et la banane. Je vais vous montrer ce que j'ai mangé à 4 heures. Oh, j'ai mal au dos. Après, je me dis, oh, c'est bizarre, j'ai les intestins qui fonctionnent mal. Je me suis goinfrée de serments du Médoc. Chocolaterie de Margot. Ça, on a ça sur le drive, hein, Leclerc. Saveur menthe, c'est trop bon. Je les ai tous mangés, voilà. C'est trop bon. Alors vous en avez aussi au chocolat au lait, saveur caramel, saveur citron, saveur menthe, saveur mandarine. Mmh, voilà. Bon, et bien sur ce, on se dit bon appétit, puis on se retrouve demain matin. Bon appétit, à demain. Profitez bien du week-end, si vous ne travaillez pas bien sûr. Bon samedi matin, 28 janvier. Il est exactement 10h30. Eh oui, je suis déjà pomponnée, enfin pomponnée, rouge à lèvres. Et... je sors de la douche. Je viens de m'occuper de mes petites mésanges et de mes rouges-gorges. Mon balcon est net comme un sous-neuf. J'ai tout balayé, j'ai tout nettoyé. Regardez pas, c'est les carreaux. Ils sont sales. Voilà, c'est tout nickel. La table est toute propre. Tout est propre, tout est propre. Ah, j'ai tout nettoyé. Je suis trop contente. Oh, c'était cochon, hein? Mais... ah, ils vont prendre plaisir à tout bazarder, je suis sûre. Mon rouge-gorge va arriver et foutre un coup de bec là-dedans. Coucou. Bonjour. Mon kidou élevé beaucoup plus tôt que moi. J'ai mis mon minoxidil, faites pas attention. Et j'ai mis une lessive de vêtements de travail en route. Voilà mes chatons. Ah, j'ai chaud d'avoir fait mon balcon là. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je vais regarder si vous m'avez écrit, si j'ai des nouveaux petits commentaires, sinon j'étais à jour. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Mince, ça m'a fait tilt. Ah ben j'aurai le montage de mon vlog numéro 3. Voilà. Et puis voilà, mais je suis contente parce que ça vous plaît. Et puis ben, tout à l'heure, eh ben, on étendra le linge. Voilà. Ce midi, on va manger du gratin de pâtes. Mon kidou va se transformer en gratin de pâtes à force d'en manger. Et la semaine prochaine, je fais des paupiètes, de la sup. Et demain, je fais du poisson, je sais plus, de la limande un petit peu au vin blanc, comme d'habitude. Hein. Si vous voulez ces recettes-là, vous cliquez sur la playlist weekly Vlog, voilà. Mes anciens weekly vlogs, et il y a des recettes à l'intérieur. Normalement, c'est au début de vidéo, puisque je cuisine, je fais le back cooking le lundi. Voilà, donc vous n'avez pas à regarder toute la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Donc, vous regardez weekly vlog, et c'est au début des vidéos, les lundis, voilà, back cooking. Et puis sinon, il y a aussi les playlists recettes sucrées, et la playlist recettes salées. Voilà mes chatons. Allez, je vais sur mes réseaux sociaux. Normalement, elle serait... ouh, balayer, j'ai mal à mon épaule.
Elle ne fait rien aujourd'hui. Moi. À tout à l'heure. Ma lessive va bientôt se finir. Il est 9:50. Alors, dans 4 minutes. Bon, j'ai le temps de préparer mes plateaux repas. Dans 4 minutes. Hop. Je vais préparer mes plateaux repas. Hop. Voilà, je prends ce petit plateau-là, plateau que ma sœurette m'a donné. Et là, ça c'est mon verre, le verre à mon kidou. Une assiette. Hop. Donc, les serviettes de table. Hop, hop. Ah oh ben moi, ça va vite. Hein. Les couverts. Yaourt, touc, touc, fourchette. Voilà. Allez. Fourchette, fourchette, couteau, cuillère. On va manger quoi? On va manger du gratin de pâtes. Coucou les nanettes. Coucou les filles. Oh, c'est humide, hein? Il fait combien? Il fait 5 degrés. Coucou ma mémère. T'as vu? La petite dame, elle a mis du beurre. Et tout à l'heure, mon petit rouge-gorge était en train de manger. Non, je vous donne rien à manger, les filles. Elles savent, elles me voient par la fenêtre. Allez, du gratin de pâtes. Hop. Voilà. À la viande hachée. Du beurre. Un yaourt. Et c'est bon. Et mon kidou, il va manger du gruyère. Et je pense une banane, pourquoi pas. Ouais, il faudrait qu'il mange une banane. Hop. Voilà, banane, gruyère, yaourt, gratin de pâte, du beurre, du sel. Hop. Voilà. Du pain, mon kidou, du pain complet. Je vais couper une tranche et voilà. Hop. Donc on va, ouais, du gratin de pâte comme ça. Je vais faire chauffer dans chaque assiette. Allez. Et ensuite, là, je vais aller étendre ma lessive qui doit être finie. Youyou, bah il fait froid chez toi. Il fait froid dans la chambre. Il fait froid dans ta chambre. C'est quoi cette façon de mettre le casque? Il est mignon. Voyons voir. Ah ben voilà. Allez. Dans 2 minutes, ça sonne. On va étendre le linge. Je me suis mis une petite laine, j'ai froid. Allez à table, gratin de pâtes avec un yaourt. Bah, je vous l'ai montré, hein. Et mon kidou, bah, gratin doucement le sel. Sinon, elles vont toutes t'en mettre une. Hein. Avec une banane et puis un morceau de gruyère. Voilà mes chatons. Allez, bon appétit. Et après, Bibi, il faut qu'elle travaille. Hein. Je ferais bien une sieste. Je suis fatiguée, les gars. Fatiguée, rien foutre, dirait-on. 14h, ben, le soleil vient de se lever. Et là, je vais m'apprêter à faire du montage. Et oui, voilà, pour vous ce soir, j'en ai pour 2-3 heures à peu près. En plus, il ne veut pas enregistrer mes vidéos. Voilà mes chatons. Et ben, je vais clôturer ce weekly vlog. Mon kidou est allongé dans la chambre. Il digère tranquille et va faire peut-être une petite sieste. Il a du mal à dormir un peu l'après-midi. Moi, je vais m'allonger un petit peu aussi pour reposer mon dos. Et puis après, ben, montage vidéo, ça y est. Ah, il vient d'allumer la bonne page, c'est bon. Allez, maintenant, on clique sur le Filmora. Tic, tic, tic.
on fait du montage. Eh bien, mes chatons, j'espère que ce petit vlog 3 vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer avec les petits pouces. Oui. À vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, moi ça m'encourage. Et puis vous cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà mes chatons. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Demain c'est dimanche. Profitez bien de vos proches si vous le pouvez. Bon courage pour ceux qui travaillent. Bisous à vos boules de poils. Et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous.